Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, nous ça va bien et dans cet épisode, on va remplacer les linteaux des deux fenêtres mais aussi de deux portes. En fait, ils sont en bois et ils sont en très mauvais état donc il faut absolument les changer. Et Gazelle va nous aider, c'est parti! Donc la première étape, c'est d'enlever le vieux linteau et ensuite de préparer l'espace pour accueillir les nouveaux linteaux. Donc nous, on a choisi des linteaux en béton qui sont déjà tout faits et on les a commandés à la dimension de nos fenêtres. On va en mettre deux et là, il est en train de préparer l'espace pour venir mettre les deux linteaux et il va préparer une belle assise en mettant des briques et du béton pour que les linteaux soient bien à niveau, bien droits. Je profite aussi pour reboucher les derniers trous qu'on avait fait lorsqu'on a enlevé le mur porteur. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est plutôt magistrale. Et donc ils font la même opération sur la deuxième fenêtre pour pouvoir poser le premier linteau et puis ensuite ils mettront les deuxièmes linteaux sur chaque fenêtre. Maintenant que le deuxième linteau est installé, ils peuvent remaçonner là où il y a des trous afin que le mur et les poutres du plancher puissent reposer sur les deux nouveaux linteaux. Maintenant que les linteaux des fenêtres sont finis, il est temps de s'attaquer aux linteaux de cette porte qui sont aussi en mauvais état et donc les changer ça fera du bien et ça permettra de solidifier tout ça et d'être serein quand on dormira sur le plancher à l'étage. Coucou. Attends 10 secondes. Du coup, ça, c'est l'état de la poutre. C'est l'état de du linteau qu'il y avait avant, donc un linteau en bois. Et comme vous voyez, il est tout pourri. Mais alors, pourri de chez pourri, j'ai jamais vu ça. Donc... c'était une bonne chose de changer ça, quoi. Hop. Back. C'est bon, tu peux y aller.
out of confession. C'est un bébé qui fait ça. Been losing all momentum. Just because it's easy, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we have this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. But sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Candy cigarettes and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Avec les restes du mortier, j'ai appris à reboucher des trous dans un mur. Donc on peut dire que je me suis testée à la maçonnerie. Bon, c'est pas parfait, c'est pas nickel nickel, mais voilà, on apprend tous les jours et puis on fera mieux la prochaine fois. Un peu de rangement s'impose et un petit tour à la déchetterie aussi. So hold me under the stars, 'cause what's mine could be yours if you want it, baby. Show.
j'espère que tu as aimé. Et si c'est le cas, ben, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage, on aime bien avoir les retours de la communauté, c'est toujours très très chouette. Et puis si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, parce qu'en plus la semaine prochaine il va y avoir la deuxième vidéo sur la rénovation de la véranda, que d'ailleurs tu peux voir la première vidéo qui se trouve ici. Et dans cette deuxième vidéo, eh bien, on a fait plein de choses à l'extérieur. Franchement, la maison vue de l'extérieur commence à ressembler à quelque chose de sympa. Et donc vous verrez tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Et en attendant, travaillez bien dans vos maisons et puis à bientôt.